Coucou amis, balance, bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de l'Image. J'espère que vous allez bien. Nous allons faire la lecture intuitive donc pour le mois de mai 2023, amis balance. Allez, la thématique du mois, c'est le chariot. Donc avec le chariot, ben écoutez, c'est la victoire, hein, c'est la rapidité, c'est... Voilà, c'est le triomphe, c'est le succès. Voilà, vous êtes sur une bonne lancée, on va dire. D'accord? Avec les portes de l'intuition, nous avons la méditation. Alors, la méditation nous dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc voilà, donc je pense qu'il faut que vous méditiez, mes amis Balance. Pour pouvoir rentrer à l'intérieur de vous et trouver les réponses à vos questions, d'accord? 4 et 3, 7, donc c'est vraiment le plomb qui se transforme en or, hein, donc si vous voulez la réussite et le succès, il va falloir donc rentrer en vous, voilà, méditer, faire une introspection, quoi, voilà, et lâcher un peu l'ego. L'ego qui vous dit toujours que vous n'en êtes peut-être pas capable. D'accord? Avec le 4 d'eau, le 4 de coupe, on vous dit rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et lâchez de 1, 2, 3, excusez-moi, je me reprends. Alors, rater une occasion, insatisfaction ou ennui, je vais y arriver. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Donc, pour ça qu'il faut méditer. D'accord? La méditation, ça peut prendre 10 minutes, hein. Il suffit de vous mettre dans le silence et de respirer et de souffler et lâcher prise. Voilà. Lâchez prise et vous allez entendre les réponses à vos questions. D'accord? Donc voilà, donc si vous faites tout ça, vous allez ouvrir les yeux et vous allez voir qu'il y a des nouvelles occasions qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin de succès. OK? Avec le Bélier, on a la fatalité. Donc le temps, les choses inéluctables, finalité, limite frontière, échange. Donc en fait, vous allez... Le temps va vous apporter les réponses. Hein. Ouais, le temps va vous apporter les. C'est ce que j'entends là. Le temps va vous apporter les réponses. Mais pour que vous puissiez, avec la faux, couper court à toute problématique, ben, il vous faut faire de l'introspection. D'accord? Donc ça, c'est au mois de mai. Donc, je pense que certaines balances vont trouver solution à leurs problèmes. Alors, on va aller voir dans quel domaine ça nous parle. Allez, pour les balances. Balance mai 2023. Balance mai 2023. Balance. Allez. Alors, on a déjà la victoire. Donc, vous allez avoir de la correspondance qui vont vous apporter voilà, des bonnes nouvelles. Ouais, après un échec. Voilà, on me dit bien que vous êtes un carrefour de votre vie, un carrefour voilà, de votre destinée, hein, d'accord? Moi, voilà, ce que je pense, c'est que vous allez peut-être recevoir une correspondance qui est pile ou face. D'accord? C'est soit qui vous apporte la victoire, soit si vous ne trouvez pas de solution dans
voilà, si vous ne vous détachez pas de votre ego, peut vous apporter l'échec. OK? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit là que vous êtes un carrefour de votre vie. C'est à vous de prendre votre destinée en main. D'accord? On me dit que vous allez vous stabiliser quand même, vous ancrer, soit peut-être par l'acquisition d'une maison, hein, ou soit carrément vous stabiliser. Voilà, stabiliser pour pouvoir prendre cette décision. On me dit qu'il y a des personnes, il y a une personne qui va vous tendre la main, d'accord? Avec le retour. Voyez, on vous tend la main, donc vous allez l'attraper et ça va faire tourner la roue en votre faveur, d'accord? Voilà, parce que bon, vous allez mettre de la distance peut-être avec ce problème et on vous le verdict avec le verdict, c'est voilà, c'est on va vous accorder ce que vous demandez, hein. Vous avez le succès avec le soleil au fond. Il n'y a pas de problème, hein. On me parle pour la polarité féminine. Bon, a priori, ça serait quelque point de vue familial, hein. Point de vue familial. Donc, est-ce que vous voulez agrandir votre maison, acheter une maison pour mettre votre famille à l'abri? Voyez comment que ça vous parle. D'accord, mes amis, balance. Mais on a quand même. Le chariot, quand même, ça va être. Vous avez le succès, hein, donc au courant mai, vous allez arriver à trouver. Vous avez peut-être raté une occasion, hein, d'accord? Donc, ça vous a donné de l'insatisfaction et des ennuis. Donc, là, vous allez vraiment ouvrir les yeux et trouver des solutions, d'accord? Pour ne plus refaire, pour ne plus rater quoi que ce soit, ok? Voilà, ça, la fatalité, c'est votre destin, hein. C'est votre destin, c'est le temps qui court, c'est le temps qui file, et voilà, c'est tout. Mais bon, on a quand même le chariot qui est quand même une carte de bon augure pour les énergies du mois, d'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle G pour les balances mai 2023. Balance mai 2023. Oui, on me parle d'un commerce. Alors peut-être qu'il y a des balances qui ont ouvert un commerce. Voilà, ils vont se rééquilibrer, me dit-on. Allez, balance mai 2023. Allez. Balance mai 2023, quel message? Bon, vous avez la victoire parce que, bon, quand même, vous avez de l'abondance. On va aller voir avec le courrier là, la correspondance. Ouais, c'est fluctuant. Vous allez pas savoir comment le prendre ce courrier par contre. Hein. Ah, votre tirage, il me. Ouais. Et vous avez un doute. Voilà. Vous avez un doute. Alors, vous allez recevoir peut-être un courrier qui vous pose. Voilà, qui vous met des hauts et des bas. Hein, qui vous dit soit vous gagnez et vous allez avoir de l'abondance. Si vous échouez. Mais vous doutez sur l'échec. Donc, pour moi, c'est de l'abondance. Hein. Je ne sais pas si je suis très claire, mais bon, de toute manière, on me dit bien que vous êtes un carrefour de votre vie, une nouvelle destinée, et que ça va être OK puisque vous allez le fêter. D'accord? Je vais remettre une carte. Pourquoi vous. Voilà. Ouais. Il y a des liens à. Il y a des liens à briser. Il y a quoi? Ouais. Vous allez faire tomber les masques et vous allez être sincère, franc et direct là au mois de mai, mes amis, balance sur cette correspondance que vous allez recevoir. Pourquoi vous doutez? Parce que c'est pour votre foyer en fait. Voilà, c'est tout. Hein. Voilà, je pense que vous voulez
ce que vous voulez, c'est mettre votre foyer à l'abri et grâce à ce courrier, ben, vous allez pouvoir le faire et vous allez pouvoir le fêter. Voilà, ça va être un nouveau départ. Vous allez décoller dans, voilà, n'allez plus rester sur une mer d'huile. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, hein. On me parle de la polarité féminine, mais bon, ça peut être le côté yin du masculin, hein. On me dit que, attention à la traîtrise, hein, mais vous vous transformez, hein, donc on me le confirme. On me dit qu'il y a des médisants, évidemment, quand on a le bonheur, on a des médisants, hein, mais vous avez eu un projet dans votre tête, c'est dans vos pensées, on ne peut pas vous l'enlever. Pour vous, c'est un bonheur total, d'accord? C'est un cadeau divin et vous avez la force de le réussir. Bon, bah, tout c'est clair. Tout c'est clair. C'est trop bien. Ami Balance, allez, on va aller voir avec la triade. Voilà, en fait, vous voulez mettre votre... J'ai des cartes à l'envers, excusez-moi. Vous voulez mettre votre famille à l'abri, mais voilà, vous ne saviez pas. Vous aviez des doutes encore. Allez, pour les balances, mai 2023. Balance mai 2023. Balance mai 2023. Allez. Oui, ça va marquer votre élévation, ça. Voilà, peut-être que vous gagnez beaucoup plus professionnellement, ça va vous permettre d'avoir votre crédit voilà, pour acheter une maison, hein. Et ça va vous élever, ça va vous élever. La correspondance, bah, vous sortez de votre isolement en fait, hein, voilà. Vous ne saviez pas, hein, l'échec sur l'échec, on a quoi? On a la réussite, hein, on a la clé. Donc, la clé de la réussite, donc toutes les portes vont s'ouvrir. Hein. Et là, on a. Ben, c'est la fin des malheurs, c'est la fin de votre. Vous allez pouvoir fêter parce que là, vous êtes à un carrefour et là, on marque la fin de votre galère, en fait. Voilà. C'est. Voilà. Malgré que vous doutez. Que vous pensiez, alors j'ai toutes les cartes à l'envers, que vous pensiez que peut-être on vous mentait, mais voilà, vous avez un besoin urgent de mettre, de vous transformer, d'accord, pour retrouver la paix, votre paix d'esprit, quoi. Hein. C'est bien, non, non, ça va le faire. Je pense que. Pour ceux à qui ça parle, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais pour ceux à qui ça parle, je pense que vous êtes sur le bon chemin pour obtenir ce que vous avez demandé. D'accord? Allez, on fait la finalité, on fait la synthèse avec le petit oracle. Donc, sur la victoire, l'abondance et l'élévation, on a. Et oui, ça vous rendait instable. Ça vous tracassez tout ça, ça vous mettez les nerfs en stress. Mais voilà, vous pardonnez, vous mettez voilà, tout ce qui s'est passé derrière et vous allez avancer sur quelque chose de nouveau. D'accord? Ouais, on a le succès. Allez, sur la correspondance. La correspondance, c'était quoi? C'était quoi? C'était la fluctuation et l'isolement. Sur la correspondance. Alors, on a, bah oui, ça vous prenait la tête. C'est une situation qui vous vraiment vous stressez. Voilà, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la correspondance? Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes pour les balances fait mars? Non, mars, mai 2023, mai 2023. Voilà, il va y avoir de la communication, ça va vous permettre de prendre votre envol, hein. D'accord? Donc, c'est une bonne chose.
Ouais. Et vous êtes, voilà, vous n'êtes pas tout seul, vous avez votre famille qui est là, donc vous êtes soutenu, je veux dire. D'accord? Allez, sur l'échec, le foyer, le doute, le foyer et la clé. Qu'est-ce qu'on peut dire? On me dit que vous avez le droit de vous faire plaisir, d'avoir des souhaits et de les réaliser. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour mes amis? Balance. Voilà. Même si vous avez votre cœur blessé, vous avez eu votre cœur blessé, pour l'instant, vous regardez ce qui se passe. Vous êtes un peu comme le Touareg au milieu du désert. Hein, vous attendez la finalité de ce projet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y en a trop. Ouais, bah oui, hein, ça va vous apporter de l'abondance, hein, quand même. Ça va vous élever, hein, c'est ce que j'ai dit au départ. Hein, vous avez la victoire et l'élévation. Donc, et l'abondance financière. Donc, je pense que il faut pas trop se faire de soucis, je dirais. Allez, sur le carrefour, les flûtes et le malheur, qu'est-ce qu'on a? Alors, eh ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'univers, eh ben, travaille pour vous, donc il va vous envoyer son verdict. Enfin, je crois que j'ai dit pour un autre signe, mais je vous le dis aussi à vous. Hein. Voilà, c'est tout. Voilà, il est fidèle. Il vous est fidèle et vous lui êtes fidèle. Donc, voilà, et vous avez la sérénité. Vous voyez, il vous tend une main. Il va vous tendre une main, l'univers, et vous allez recevoir des signes qui vont vous faire sortir. Voilà, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Hein. Donc, très, très belle lecture. Hein. Très belle finalité. Allez, en message, j'avais un petit message des anges. Allez, pour les balances, je me trompe pas, balance mai 2023, qu'avons-nous pour les balances? On a l'archange Raphaël. Ah, bah c'est Raphaël qui vous accompagne en plus, donc c'est bien. Il vous dit, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Ben c'est tout, hein. Cette situation que vous allez vivre au mois de mai, bon, ça marque la finalité de. Voilà, c'est une situation que vous devez vivre, mais ça va marquer votre finalité, d'accord? Vous allez avoir de nouvelles occasions et on vous demande de méditer pour chasser un peu l'ego qui vous dit bah non, tu n'auras rien. Voilà. T'as pas le droit à la maison, t'as pas le droit au bonheur, t'as pas le droit à ci. Ok? Donc moi je pense, ami Balance, écoutez avec votre cœur. D'accord? Voilà ce que j'avais pour vous, ami Balance, pour ce mois de mai. Alors, ben, si la lecture vous a parlé, ben, merci de commenter. Et puis, un petit pouce, voilà, un petit abonnement. Tout, voilà, vous connaissez la procédure. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.